ça fait pas bien longtemps quand même. Ça fait pas si longtemps que ça. Eh ben, enchanté. Daniel, ah, Daniel, t'es où? T'es où? Daniel. Coucou. Daniel. Oh, ah, oh non. Regarde, c'est Brian, il fait la sécurité. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Brian. Enchanté. Vous, c'est Antoine, c'est ça? Moi, c'est Antoine. Et lui, c'est Daniel. On est les cousins croûtes. Oui, les gens, ils disent qu'on est frères, mais ils se trompent. Bah oui, on nous dit tout le temps des frères, mais c'est parce qu'on se ressemble beaucoup, je pense. Oui, c'est vrai qu'on se ressemble. Bah oui, on vrai, se ressemble beaucoup. Je pourrais pas faire la distinction. Oui, oui, je pense que c'est dans notre puberté qui est développée. Pas puberté, pilosité. Comme ça, là, vous saurez plus. Ah oui, oui, là, vous voyez, c'est moi, lui, c'est pas là, là, c'est moi. Et là, c'est Daniel. Aïe. Là, c'est. Mais Daniel. Aïe, ouf. Moi-même, je sais plus qui est qui, là. Stan. Il y a un lapin de Pâques. Oui, mais c'est plus Pâques, hein, alors c'est bizarre. Bonjour, monsieur Stan. Bonjour, vous me suivez? Bah, il y a un véhicule qui va vous amener où est-ce qu'il faut aller. Ah bah oui, c'est super. Et la ville, elle est aux petits oignons avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Brian, Stan, vous êtes qui, monsieur? Je suis monsieur Hartmann, de chez G6. Ah bah, enchanté, monsieur. Vous avez besoin d'aller vous changer? Non. Oui. D'accord, Stan, tu peux... Oh bah bonjour madame Kim. Comment tu madame vas Prince, comment allez-vous? Bonjour. Ça va et vous? Bonsoir. Ça fait pas très longtemps, mais ça fait quand même très plaisir de vous voir madame Kim. Mais oui, ça fait longtemps. Attendez, est-ce qu'il y a Kiddy qui arrive? Ah mais ils sont tous Kiddy, ça en fait. Mais... Oh waouh. Mais à tout le monde. Bah bonjour Kiddy. Bonjour tout le monde, bonjour. Il y a de nouveau beaucoup de monde de partout là. Oui. Il est où monsieur Végis? On revient monsieur. Non, c'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui, il me fait peur. Mais pourquoi il me fait peur? Oui, il me rappelle quelqu'un. Il me rappelle quelqu'un, il m'a fait peur un peu. Oui. Il est en haut, Brian. On va voir. Oui, on va chercher. À tout à l'heure, les bisous. Ah, vous les connaissez? Contre. Bonjour, monsieur Contre, ça fait plaisir. Là, vous aussi. Ah, que ça fait plaisir de vous voir, monsieur Contre. Vous avez grandi en ces temps, oui, ça va. Si, regardez, j'ai une belle moustache, j'ai tout défait moi-même. Et lui, regardez, ça a une petite barbe aussi. Écoutez, on avait une belle puberté. Ah, oui, oui, vous avez un duvet, quoi. Bah, vous, monsieur, vous n'avez pas changé de tenue en 7 ans non plus. Tant qu'au bout d'un moment, on peut pas dire c'est beaucoup mieux. Non, mais je savais, je revenais là, j'allais sûrement croiser des gens comme vous, d'autres énergumènes, quoi. Il est parti sans nous, je crois, monsieur. Monsieur Hartmann ne nous a pas guidés. Ah, mais il est arrivé. Ah, ça t'explique. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Je vais vous donner directement le ticket. Comment ça va, Vanessa? Mais oui. Écoutez, ça va, mais vous connaissez ma chance, j'ai perdu mes bagages dans l'avion. Excusez-moi, est-ce que vous voulez vous mettre sur le côté? Oui, bien sûr. C'est dangereux, les gars. Mais attendez, juste à côté, ce sont les croûtes. Oh, monsieur Roy, comment ça va, monsieur Roy? Bah, vous êtes tous là, c'est un plaisir. Vous avez exactement les mêmes. Excusez-moi de vous déranger, mais je vous invite tous descendre vers l'étage inférieur. Avec grand plaisir, monsieur. Ah bah, Vanessa. Donatien. Salut les petits. Salut les petits. Ça fait plaisir de vous voir, Dontello, ça fait longtemps là. Ouais, ça fait longtemps, effectivement. Bonjour, docteur madame, bonjour. Bonjour. Oui, mais attendez, comment vous comptez vous rendre là où nous allons? En ULM. En ULM, monsieur. Non mais attendez. En ULM? Non mais d'accord. C'est juste pour savoir si je préviens Miguel, si vous venez ou pas, en fait. Ah oui, on vient, monsieur. Oui, bien sûr. On vient, bien sûr. Bah non, si vous venez en ULM, vous venez pas, finalement. Hein. Ah, d'accord, oui. Bonjour. Chercher les ULM, c'est ça? C'est pas Rogers. Bonjour, c'est pour les ULM, oui. Ils sont en garage, là-bas, là. Oh, merci beaucoup. Super. Ah, c'est là. Là. Waouh! Waouh! Il est jaune et violet, oui, c'est incroyable. Il est trop beau! Il est trop beau, mon ULM! Comme on est beau! On est beau dans nos ULM! Bye. Eh ben, on y va, alors. Eh ben, comment on dit, Bamos? Allez. Bamos, Bagos. Allez, bisous! Alors, on va aller tranquillement. Oh, bah, ça va vite! Waouh! Waouh! Allô? Coucou, bah écoute, je vous ai tout. Bah mon ULM, il est dans l'eau. Quoi? Oui. Bah, écoute, appelle-toi de l'aide et bah on se redit. Ok. Bisous. À plus tard. Ah. Oui, allô? Oui, je suis à l'entrée. T'es arrivé? Non, pas du tout. Vous êtes arrivé, vous? Alors, non. Ah bon? Ah ben. Non mais, alors moi ça va. Par contre, Daniel, il est un peu dans l'eau, quoi. Ah, non, bah je pars alors, hein, je pars. Ok, bah pars et on se retrouve là-bas. Ça marche. Ok, bisous. Oh non, j'ai pas entendu son bisou, bah chut. Allez, un peu de musique. Tu m'as dit, y'a tout. Vagos, 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 it's ok. Vagos, 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 le digo que. Vagos, 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 it's ok. Vagos, vagos, vagos. Ay, 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 Lenny Johnson y la Palaxan, y viendo los santos, mira, le vagos dans le sang. C'est le boss. Miguel est le numéro 2, mais dans le cœur, numéro 1 pour toujours, aha. Alors, pas de problème, personne ne croyant. Comment je m'arrête? Comment j'arrête? Comment je... Non, oulala, alors, on va refaire.
Ok. Alors, personne n'a cru en moi. Personne n'a cru en moi. J'avais oublié comment freiner, mais j'ai retrouvé. Du coup, j'ai pu faire un tour et revenir. Et je vais bien. Nickel. On vous laisse monter dans la Roosevelt. Moi, faudrait que je me change, je me suis avant qu'on y aille. Puis il faudrait que j'attende les autres. Allô. Alors, comment ça se passe, mon petit Daniel? Je suis avec Vanessa parce que son moteur a explosé. Et du coup, il y a Kim qui est avec nous aussi. Et il y a quelqu'un qui nous a déposé. On va prendre un avion, on arrive. Bon, bah alors, à tout à l'heure. Et bisous. Oui. Moi, j'y suis, c'est bon. Oui. Bisous. C'est super, c'est cosy ici. Voilà, monsieur, je suis tout beau. Impeccable. Je laisse monter dans les Roosevelt. Genre laquelle? Celle que tu veux, Antoine. Hop. Impeccable. Non. C'est cool ça. Si je peux arriver comme ça, je suis très content. Tu vas pouvoir. Ok, bah, merci beaucoup. Mais on n'est pas vraiment assureur, regardez. Oh bah monsieur Boy, monsieur Clé, bonjour. Regardez qui c'est. Bah bonjour, vous êtes tout beau, ça fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps. Et bonsoir. Bah oui, ça fait longtemps. Bonsoir tout le monde. Bonjour, c'est le Yash. Oui, c'est le Yash. Bonjour le Yash, je suis contente de voir le Yash. Le Yash, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment longtemps, je suis tout touchée. Si vous voulez, il y a un bar derrière que vous pouvez aller boire un coup. Ah bah, cool. Et yop là. Waouh. Coincé. Ah, vous allez vite. C'est rigolo, ça, les gars. Ça va? Oui, ça va bien, j'ai glissé. Mais ça m'arrive souvent, y'a pas de problème, j'ai la tête dure. Bonjour, monsieur Dantello. Et bonsoir. Mais je vous avais même pas reconnu. Oui, mais je me suis fait voir. Attendez, je l'ai pas. Il faut que j'enregistre votre numéro, Antoine. Non, c'est 4008. Oui, c'est ça. Merde, attendez. Non, vous pouvez m'appeler, ça me fait plaisir. Oui, bah voilà, je vous appelle. J'entends, je vous réponds. Bah, répondez. Oui, bonjour, c'est Antoine Prout, comment ça va, Dantello? C'est Antoine Montazac au téléphone. Ah, bah, moi, j'ai reconnu, du coup. Voilà. Oui. Alors, attendez, je vais essayer de vous enregistrer. Daniel, je reviens. Oui, allô? C'est Antoine Prout. Antoine, c'est Donatien de Montazac. Bonjour, Donatien de Montazac, comment ça va, monsieur Dantello? Daniel, en fait, il est parti se changer, il arrive bientôt. Voilà. C'est super parce que. Du coup, vous verrez, on sera dans des beaux costumes ensemble parce qu'on avait choisi nos costumes ensemble. Oui, bah, sinon, ça va, la vie? Oui, ça va bien, mais on s'est vu il y a une minute. C'est vrai, pardon, excusez-moi, je vous fais des bisous. Alors, si Daniel se change, c'est bon. Je vais aller danser, moi. Qu'est-ce qui se passe là? Attention, courez pas trop vite quand même. Bonjour, comment ça va? J'adore beaucoup votre moustache, elle est beaucoup trop belle. Ah bah merci beaucoup. Mais alors, attendez, je crois qu'on s'est déjà vu. Mais si, on s'est déjà croisé. On s'est déjà croisé plein de fois. Ah oui, bon, souvent. Pas plein de fois, je dirais, mais des fois, il y a des incidents. D'accord, alors donnez-moi une anecdote. Venez, suivez-moi. Donnez-moi donc une anecdote avec moi alors qu'on a vécu. Une anecdote? Oui. C'est facile. C'est quoi une anecdote? C'est quand tu racontes une histoire, mais qu'il y a un souvenir dedans. Si, je me souviens au Mexique, une fois que je l'avais 12 ans, et qu'est-ce qui s'était passé? Je le jouais avec une branche. Et ça, c'est une branche qui était dans... C'est une branche, tu peux les savoir dans les forêts. Oui, dans les arbres, je vois. C'est ça. J'aime bien vous le prêcher, monsieur. Qu'est-ce qu'il avait avec cette branche? Qu'est-ce qu'il est tombé? Parce qu'il y avait un petit... Une pomme! C'était pas une pomme? Non, pas de coco, quelque chose comme ça. C'était peut-être. Une voiture? Non. Si, peut-être. Daniel Croûte. Si, non. Si, peut-être. Donatien de Montazac, monsieur. Oui, peut-être. C'était ça, peut-être. Une bouteille de vin, peut-être. Une bouteille de vin qui est tombée de la branche. Ou bien du sable. Du sable, des fois, ça tombe. Du sable. Si, c'était peut-être du sable qui était tombé de la branche. Oui, okay, oui. Sous la plage. C'était ça, les souvenirs. Si, c'était bien. Oui, franchement, j'ai trouvé pas mal, monsieur. Redites-moi votre nom, je connais pas très bien. Si, c'est Inigo. Mais vous étiez aux vacances, monsieur. Mais bien sûr que... Ah, mais c'est comme ça qu'on se connaît. Il y a un petit peu de yon sur moi, quand même. Ouais, ça se voit que les yon sont vacances. Oui, mais nous, on aimait bien les vacances. Mais est-ce que... Mais alors, vous avez pas d'anecdote? Alors, maintenant, faudrait... ce que je demandais, c'était la même chose, mais avec une histoire où moi, j'étais dedans, parce que j'aime bien qu'on voit quand on se connaît. Oui. Ça veut dire une anecdote, c'est le souvenir, mais tous les dedans. C'est que quand je suis dedans, oui, les anecdotes. Sinon, c'est pas une anecdote. Il est dedans. Oui. Si. Moi, je me souviens surtout qu'il a entendu parler beaucoup de vous parce que il me semble que souvent vous avez fini avec des petits accidents. Oui, ça m'arrive. Parler oui. Monsieur Cucaracha, il disait toi, attention, on doit aller chercher, il y a des problèmes. Oui, c'est ça. Mais je suis un peu déçue parce que, monsieur, j'ai l'impression qu'on s'entend quand même très très bien.
ça aurait été... Enfin, on va profiter de la soirée pour faire connaissance. Ben, bien sûr, ça arrivera plus tard. De toute façon, je suis ici tous les soirées. Hein. J'aime bien chanter d'ailleurs, si jamais, Nico. Oui. Si, monsieur, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous avez besoin de boire ou de manger quelque chose? Oula, j'ai besoin de manger, oui. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, de la boisson, s'il vous plaît, monsieur. Et moi aussi. Merci beaucoup. Je suis super bien. N'hésitez pas à... Qu'est-ce qu'il y a? Aïe aïe aïe, qu'est-ce que t'as là, moi j'ai trop vite. Est-ce que vous pouvez appeler un moment du cartel, s'il vous plaît? Il faut l'appeler, je vais chercher quelqu'un. Ah. Ah bah d'accord. Si hey. Mais vous l'avez perdu. Comment ça va mieux? Il s'est passé quelque chose de fou. J'étais pas bien et du coup j'ai glissé et j'ai fait du saut parachute. J'ai vu la glissade et tu l'as passé sous le sable, tu l'étais comme une serpent. Et j'ai fait du saut parachute et après quand j'ai ouvert mon parachute, je suis revenu là. Ah. J'ai eu de la chance. T'as eu de la chance. J'ai hâte de raconter à d'autres ce qui m'est arrivé. Ça va mieux comme ça? Vous sentez mieux? Oui, ça va mieux. Ça va. Ah bah oui, enfin je suis toujours un peu cambré mais ça va. Oui, vous allez rester cambré un petit moment. Regarde, c'est magnifique, les couchers de soleil et tout. On peut faire une photo? Viens, viens, fais une photo. Si, tu veux faire une photo? Oui, si, voilà. C'est bien. Oh oui. Kiwi Tito. Oui. Si, bravo. Oh, elle est trop belle. Alors, malheureusement, j'ai un peu mal à la hanche, mais elle est trop trop belle, Inigo. Oh, c'est beau, c'est... Comme on dit, c'est l'heure dorée. C'est l'heure dorée. Moi, je connais Julien Doré. L'heure dorée. Je connais aussi Julien Doré. Moi, quand j'étais plus jeune, maintenant, je suis pas comme ça, je suis plus grand. J'avais un Skyblock sur Julien Doré. Skyblock. Ah bah oui, c'est vrai, Inigo, t'es plus âgé. Skyblock, c'est j'écrivais des petits trucs pour dire j'aimais bien Julien Doré, puis on pouvait mettre des commentaires. Et souvent, je disais, lâchez-vous comme... C'est un petit peu comme ces connards qui font des jeux vidéo de merde. Je les déteste, par contre. Si, ils écrivent des trucs, là. Inigo, Inigo, écoute-moi bien. Tu vois, quand on peut avoir une beauté pareille dehors comme ça, qu'est-ce qu'ils font les gens enfermés derrière leurs écrans? Moi, je les trouve ridicules. Moi, je trouve que la vie, elle a plein de trésors à nous donner et je comprends pas les gens qui en profitent pas. Moi, tu sais, je vais te dire une chose. Le seul écran que j'ai, c'est l'écran total. Ah, c'est rigolo. Parce qu'on me dit qu'il y a du soleil et tout, c'est l'écran total, c'est tout. Il y a du soleil, il y a des nanas parce qu'elle a Nagla devant la nous, c'est rigolo. Elana, viens faire une photo pendant la Golden Hour. Viens faire une photo, Elana, avec nous. Souriez. Bisous. Super, elle est très belle. J'ai plus trop mal à la hanche, je me sens mieux. Antoine, qu'est-ce que vous faites? Bonjour Antoine, bonjour Tutello. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Antoine? Bah, en fait, oh oui, je voulais vous raconter. Avant, je me suis un peu desséchée sur la plage, qu'il y avait encore du soleil, parce que c'est quand même dangereux, faut vraiment. Et du coup, je suis tombée, je me sentais pas bien. Puis après, j'ai glissé sous le sable et j'ai fait du pinceau en parachute, monsieur. Puis après, quand j'ai ouvert mon parachute, je me suis retrouvée tout là-bas. D'accord. Et vous, ça va? Eh bah, c'est super, Antoine. Oh, vous avez vu des verres, j'aime bien quand vous avez vu des verres, c'est rigolo. Je crois qu'il a juste fumé. Vous fumez pas, monsieur, quand même. Pour être sûr que ce soir, je vais essayer un peu d'en vendre. Une bouteille de combien? Oui, bah oui, on peut vous aider si vous voulez, monsieur. Hein. Bah oui. J'ai dit à Daniel, il faudrait qu'il parle avec le gars avec l'AK-47 pour savoir si c'est pas... Mais moi, il me fait peur, pourquoi c'est moi qui dois le faire? Bah, on peut lui parler les deux, sinon. Je dois lui dire quoi? Vous avez quel âge, monsieur? Maintenant que vous avez bu un petit verre. Arrêtez de me demander quel âge j'ai, enfin. Vous avez quoi maintenant? Vous avez bien 14-15 ans maintenant? C'est pas vrai du tout. On a bien. On avance 300, monsieur. Alors, prouvez-le-moi alors, et allez parler au gars avec l'AK-47 et essayez de lui dire s'il veut du vin. D'accord, mais juste avant, parce que vous avez c'est un petit verre. Vous avez monté votre ton à la fin de la phrase, et du coup, on aurait dit que c'était pas fini. Oui, on s'attendait à une suite. Et pourtant, c'était fini. Est-ce que vous avez bu un petit verre? Vous voulez pas nous faire une blague, monsieur? Vous avez trouvé votre meilleure blague de la soirée? Oui, monsieur, on doit vous parler. Est-ce que vous voulez du vin, monsieur? Non, merci. Mais c'est très dommage, c'est le meilleur vin de tout le monde entier. Il a raison, j'en ai bu un peu. Oui, regardez comme il est content. Regardez, il va vous faire une blague et vous allez voir qu'il est super drôle. Attendez, je vous fais une blague, monsieur. C'est un tétard, il pensait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Regardez, il va rire. Rigolez. Pour le vin, monsieur. Rigolez. La pub, elle marche pas, je pense. Ouais. Non, bah, non, mais... Bon, bah, vous... Attendez, attendez, les croûtes, attendez. Oui. Attendez. Monsieur, je suis allé au bar tout à l'heure. Je la connais pas. Macron. Comme le poisson, le bar, le poisson. M'ont fait, j'aurais dit, est-ce que vous avez du vin? Ils m'ont fait, non, on a que de la tequila et des cocktails. Et du coup, j'ai voulu leur en donner un petit peu, histoire que cet endroit soit plus convivial. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'il fallait que j'en parle avec vous pour qu'ils puissent avoir un petit peu de vin au bar. T'es en train de dire qu'en chinois, c'est pas convivial. Ah, c'est très convivial. Bien sûr. Mais ça pourrait l'être plus. Ça pourrait l'être encore plus. Regardez, là, je bois une petite bière. Bon, je m'ennuie. Voilà. Bien, Antoine. Ouais, franchement, je m'ennuie de ouf. Alors que si j'avais bu du vin, je serais cool comme Monsieur Dotello. Mais c'est super convivial. Et regardez, en plus, j'ai fait plein de déchets. Alors que normalement, avec une bouteille de vin, vous n'avez pas besoin de faire de déchets dans la soirée, monsieur. Voilà. Et c'est que 8000. Non, c'est un peu moins. C'est un peu moins, monsieur. Genre 2, ça coûte 2. Non plus, non.
Croissant la bouteille, qu'est-ce que croissant, vous en dites c'est... Ça croissant, paraît vraiment bouteille. Très marchand, ça. Non, moi je pense que croissant. Après, l'exotisme, vous c'était 300, mais vu que vous m'êtes vraiment sympathique, c'est 250. Oh, ça vous êtes vraiment un grand homme, monsieur. Combien de bouteilles on peut commencer avec 5 bouteilles, ça voilà. Vous dit et moi, 250, on est à 1500 et on est bon. Tu sais quoi on va faire un truc. Moi, je te donne 1250. Ok. Parce que c'est les 5 bouteilles à 250$. Ah oui. Et ensuite, ce que je fais, c'est le gamin là-bas. Oui. Ah bah, je lui donne 1250 aussi. Bah, je, bah, je veux bien, monsieur, c'est très gentil. Ah oh, bah, merci, ça me fait très plaisir. Bisous. Eh, un petit sachet de cocaïne, ça vous intéresse pas? Voilà, je m'en vais. Oh non, 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 mais des bisous. Ne trempez pas là-dedans, Ne trempez pas là-dedans. Je t'ai fait un bisou sur les fesses. Oh, docteur Croot. Venez, venez. Pardon, je vous fais courir. Mais je suis trop content de vous voir, docteur Maison, ça fait trop longtemps. Vous allez bien, monsieur? Ça va bien, vous, docteur Croot? Oh oui, ça va bien, ça fait trop plaisir. Vous savez, je me sens tout de suite très rassurée dès que je vous ai vu. Ça m'a fait plaisir de vraiment beaucoup. Me fait chaud au cœur de vous voir aussi, docteur Croot. Qu'est-ce que vous devenez? Vous êtes toujours à l'hôpital? Non, docteur Croot, je suis au Vietnam maintenant. Ah, ah bon, monsieur? Mais, et vous, ça va? Vous faites quoi au Vietnam? J'essaye de continuer de parfaire mes techniques de massage testiculaire. Ah oui, c'est vrai que vous étiez fort en ça. Vous arrêtiez pas d'aider les gens comme ça. Tout à fait, cher ami. Rapprochez-vous du milieu, messieurs dames, c'est Miguel qui demande. Ah oui, bah oui, go, on y va. Ça va, alors go. Ah oui, c'est là-bas, on va devant, Bah oui, bien sûr, on va devant. Venez, voilà. Ah, mais Fab est témoin. Oh mais oui, c'est vrai. Je crois. Oui, vous entendez, c'est bon? Oui. Non. Non. Oui, que je vous entends. C'est quand même les os, non? Bon, bah tant pis pour ceux du fond, vous avez qu'à vous rapprocher. Oui, les nuls. Ah bah, il y a déjà la mariée qui arrive. Nickel, voilà. Allez hop. On fait un pack 15 minutes. Pas plus. Voilà, d'accord. Merci, monsieur Benson. Alors écoutez, moi je suis un peu dérangé. J'avais écrit un long discours, mais je trouve plus le papier là. Alors on va faire au plus bref, hein, parce que là je sais pas trop comment faire. Alors nous sommes ici réunis pour le mariage de Miguel Charles Collins et de Kim Dwight. Oui, bravo. Est-ce que les témoins ont les alliances là? Bien sûr. Merci. Heureusement, attention à la dernière fesse, attention. T'inquiète pas. Vous pouvez la mettre à la main de Kim, Miguel. Allez. Ah oui, direct comme ça, c'est un oui, vas-y. D'accord, direct. On a pris les plus mauvais gestionnaires des mariages qu'on ait jamais dit, c'est nickel. Les jeunes mariés, dorénavant faire un discours à tout le monde. Allez. Ah bah oui. J'ai mais pas oublié une question. Tu penses à quoi, c'est un discours? Qu'est-ce que c'est, on aurait dû prendre Boyle, vraiment. Ils ont dit oui. Non, ils ont pas encore. Pas encore, oui. Oh, mais dégoûte-toi les oreilles. Qu'est-ce que c'est que ces bordels? Bon, attendez. Kim Dwight, acceptez-vous de prendre pour époux? Mais les vœux, c'est quand qu'on les dit que... Mais les vœux, c'est tes vœux. Les vœux. Bon, et moi, je propose que je recommence tout, là. C'est n'importe quoi, quand même. On recommence, on recommence. On recommence, mais soyez professionnels. En même temps, vous avez pris quelqu'un qui a raté son mariage pour officier le vôtre, hein. Vanessa, c'est peut-être pas le moment, on est là j'ai pour l'amour, non? J'ai un problème de muscles. Hein, ils sont plus ensemble, là. Et nous accueillons la jeune mariée tout de suite. Bravo. Oh non, je vais voir la grosse tête de contre-en tout long. Je suis à côté de celui qui a de l'herpès. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour le mariage de Charles Collins et de Kim Dwight. Ouais, c'est un truc de fou. Miguel, Kim, voulez-vous faire un discours? Vous voulez le faire plutôt à la fin quand vous serez mariés, c'est vous qui choisissez. J'ai vraiment donné ça au pire animateur. Même à Leclerc, ils en veulent pas, je crois. Même à Leclerc, qui fait pas les saucisses. Cook, c'est dans l'ordre. D'abord, bienvenue, les gens, c'est très bien. Bienvenue. Ça fait plaisir. Ah oui, merci à Miguel d'avoir ces gens. Mais qu'est-ce qu'il s'en a plus? Je comprends plus rien, c'est un traître. Docteur Cook. J'ai la chiasse, docteur. Donc là, vous posez les questions. C'est fou, attendez, c'est l'émotion là. Est-ce qu'on peut tout refaire depuis le début? Il y a un problème d'émotion. Excusez-moi, j'ai la chiasse. Quelqu'un a la chiasse, on va s'en occuper. Pendant ce temps-là, on brise Cuc. J'ai l'impression que docteur Croot ne fait qu'un avec la chaise, voyez-vous. Ouais, j'enlève mon pied de sa jugulaire, peut-être ça va aider. Ouais, oui. Ah oui, là c'est mieux là. Oh, quel garnement, il a pas changé, Antoine. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Et bah, reviens Antoine, reviens! Il est entre deux bonnes mains. Allez, ça doit être le soleil. C'est la main qui m'aide, doit être en haut. Ouais, vous inquiétez pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Parfait. Merci beaucoup. Ah, vous êtes vraiment adorable. Bonjour, c'est bon, je suis là, on peut continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé quoi? Rien, on recommence. Antoine! Non, mais c'est pas vrai! Donna! Je veux pas que tu les adoptes, mais bon. Allez, on s'entend sur l'adoption. C'est le meilleur mariage j'ai vu de ma vie, je peux te vous le dire. Vanessa, il faut vous rasseoir. C'est la cheville entre deux lattes. Vanessa, il faut sortir des lattes. Vous trouvez le discours à la fois, tout le monde m'a dit.
Voilà, est-ce qu'il faut exprès de temporiser pour qu'il puisse écrire? Oui, 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 c'est super, oui. Vanessa, avant de venir, j'ai du mal à réfléchir. Ça fait trois semaines qu'on est au mariage, là. Oui, bah on y va, c'est cul qu'il foire les mariages aussi. On est prêts. Musique, plus personne ne bouge, ça suffit. C'est une magnifique cérémonie. Waouh. Au revoir, waouh. Trop belle. C'est la première fois que je te vois comme ça. Bravo. Bravo Kim d'avoir fait survivre un mariage 7 ans. Ça me fait très plaisir d'être ici. Il n'y a rien de si beau qu'un mariage bien réglé, bien paisible. Si vous avez des interventions éventuelles, nous pouvons les écouter ou dire quelques mots pour faire plaisir aux mariés ou aux organisateurs, bien entendu. On peut faire des discours. Je t'aime. Je peux faire un discours. Oula. Oui, Antoine, vas-y, oui. Ok, ok, je fais un discours. Bonjour. Alors, j'ai un peu mal à la hanche. Alors, je voulais vous dire. Attends, faut pas hésiter à parler plus fort. Faut pas hésiter. Okay, après, pas Antoine, tu peux hésiter aussi. Hein. Ok, non, mais j'hésite pas. Alors, juste pour vous dire, moi, vous avez été des gens que j'aime bien. Vous êtes sympas. Et merci pour les parachutes. Amusez-vous bien. Ouais. Bravo, c'est incroyable. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose d'aussi intéressant à dire dans l'assemblée? Là, pas autant. Hein. On peut pas faire beaucoup mieux. Allez-y, mollo, pas tous en même temps. Vous voyez bien qu'on est nombreux. Moi, sinon, j'y retourne. Non, ben ça va aller. Non. Ça clore le chapitre. Bon, et bien voilà, une nouvelle étape de ce mariage de franchi. Voilà, voilà. Pour qu'il se fait chaud maintenant, pour qu'il se fait chaud. Au rituel symbolique, bien évidemment. Acceptez-vous de prendre pour époux Charles Collins, ici présent. Charles Collins, c'est Miguel. Elle a dit oui. Charles Collins dit oui. Oui, bravo. Mais pourquoi il marie Charles et pas Miguel? Miguel. Il a pas dit oui. Acceptez-vous de prendre pour épouse ici présente Kim Dwight? Bah ça c'est bien Kim. Oui. Oui. Bravo. Bravo. Félicitations. Vive les mariés. Je vous laisse vous échanger les alliances. C'est quand qu'ils se font écraser par la voiture? Moi je suis venu pour ça, moi. Ils le font pas, je crois. Mais pourquoi? Ça arrive toujours dans les mariages. Bah c'est parce que c'était avant. C'est là, attends, mais ça va. Avant de vous faire un bisou traditionnellement, j'aimerais que chacun d'entre vous fasse un discours à l'assemblée. Vas-y, je t'en prie. Allez. Ça a commencé par un 44 tonnes et ça a failli se finir avec une Zantourno. Mais tu seras toujours mon Clyde et je serai toujours ta Bonnie. J'ai cru que c'était une énigme. J'espère que ça sera un meilleur discours de la part de Miguel. Hein. Merci Donatien. Moi j'ai trouvé Mims. Nous tenions simplement à vous remercier d'être venus des quatre coins de Los Santos et du monde pour célébrer avec nous cette journée si particulière. Sans vous, elle n'aurait pas été avec la même saveur. Notre cœur est rempli de joie de savoir que nous allons poursuivre notre route l'un à côté de l'autre. Moi, Miguel, je te prends et reprends toi, Kim, comme épouse. Oula. Tel que tu es, je te promets de t'aimer, de te respecter, de t'encourager, de te permettre d'écrever des gens dès que tu voudras. Bravo ! Le mariage, c'est vraiment super, il faut célébrer ça avec une bonne bouteille, à un bon prix d'amis. Ah, oui, oui. Bouteille de Rosac, bravo. Très bon Maintenant, musique. Ouais, quand je débarque. À la musique, let's go. Dans ma Provence natale. Oula, quoi? Ouais, quand je suis là, ouais. Femme. Oula, femme. Que je bois ma vinasse, ouais. Favori. Oula. Félicitations à vous deux. Quand je débarque. Merci à vous. Ah, c'était super, bravo. Merci à vous. Bravo, le mariage. Dans ma Provence. Merci. C'était super. Oh, regardez! De chier des sticks fluo là! Oh, c'est magnifique! C'était une fête tropicale! J'ai jamais vu ça! C'est magnifique! Ah, ça c'est un peu le qui est qui là maintenant! Oh, le camion! Ah ouais! C'est mon gars, c'est le camion de Tazak! C'est magnifique! Ouais! Oh, Kim! Oh, Kim! Oh, la belle roue! Kim, Miguel! Maintenant, Donas! Non! Oh là là! Waouh! Et bravo! C'était beau! Félicitations! C'était beau! C'était super! Qu'est-ce qu'il y a, Lorenza? Non, mais c'est rien. Tu passes quoi? Mais non, mais faut que tu viens, viens discuter, viens, Lorenza. Qu'est-ce qui s'est passé, Lorenza? Qu'est-ce qui se passe, du coup? Non, mais il y en a marre. Voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout de Lorenza et tout le monde veut que entendre Donna Donna et il n'y a plus de titre qui marche depuis. Oh, bah non, Lorenza! Ah oui, bah ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme chanson? J'ai essayé de me lancer dans le jazz, j'ai essayé de faire. Excusez-moi, je me permets. Ne riez pas, Antoine. Mais non, mais attendez. Antoine, un peu de respect pour Lorenza.
Enfin. Je me confie comme ça, enfin, bah, alors Antoine, que depuis vraiment, tout à l'heure, c'est... je mens à tout le monde. Non, non, Lorenza, vous inquiétez pas. J'ai fait les anges à Buenos Aires. J'ai tout essayé pour redorer l'image de Lorenza. Il n'y a rien qui fonctionne, il y en a marre. Et en plus de sa team, il aime les hommes. Oh bah non. Mais si tu veux, on peut faire un tube ensemble, si tu veux. Nous, peut-être qu'on peut aider. Ah bah, ils sont... Oui, nous, on a bien été dans la musique. Bah, pourquoi pas, nous, il y a tout qui nous va. De toute façon, là, on commence à faire un parfum. Tu m'envoies ta fumée dans la figure, par contre. Pardon, excuse-moi. Oui, oui. En tout cas, vous êtes très distingués dans ces beaux costumes. Ah bah, merci beaucoup, Lorenza. On vous laisse faire beau, quand même. Oui. C'est vrai qu'on vous distingue. Oui, on vous distingue. Oui. Oui. Vraiment. Oui. Allez, allez. On va passer de la musique, bien sûr. Oui. Et on va faire du son parachute, moi. Est-ce qu'il y a des trucs de prévu pour après le mariage? Je sais pas. Je sais pas, faut demander à Miguel et à Kim. Ils sont juste là. Vous avez bien Miguel. Oui, Lucia. Bonjour. C'était un très beau mariage, bravo à vous. Oui, j'étais un peu émue. Félicitations. Est-ce que c'est Miguel que je dois manger? Des gens sont venus en avion, non? Oui. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas prêt à me constituer partie civile contre... faire un petit tour après? Je vais essayer de voir avec pour faire un petit saut, un truc comme ça, parce que pour l'instant... Monsieur Benson, oui. Pastis, dites-moi, est-ce que par hasard, vous pourriez avoir des chauffeurs d'avion pour faire un saut en parachute de tout le monde en même temps? Ça serait incroyable. C'est possible, il risque d'y avoir des décès, oui. Oh, mais c'est pas grave, on a plein de médecins. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave, c'est les croûtes. Oui, alors. Oui. Ouais, super. Oh là là, comme il est beau l'hélicoptère. Bienvenue à tous, nous vous permettons d'entrer dans le véhicule. Je cours. Antoine, lève-toi tout de suite, on s'en va maintenant. Ok, j'arrive. Ça rentre. C'est super. C'est parti, bougez plus. Les points de rendez-vous, c'est la plage. Je vous dirai quand on peut sauter. Qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre les... Ça y est, allez-y! C'est parti, sauter! On s'arrête, on y va! C'est parti! Je peux pas courir! Wouh! Aïe, aïe, aïe! Inigo Montoya! Inigo Montoya! Inigo Montoya! Inigo Montoya! Aïe, aïe, aïe! Inigo Montoya! On comprend rien à ce qu'il raconte! Psycho-psycho-pap! Une pensée pour El Raccoon! Le plus grand des banditos! Parti, trop tôt! Va voir là-bas! Lorenza! Oui? C'est trop bien! Ouais, c'était trop bien! J'ai envie de refaire! On va voir si on peut refaire! Moi aussi, on va demander parce que c'était bon, on a tous sauté en même temps! On va demander! On va refaire ou pas? Attendez, mais je sais pas, c'était bien! Je crois qu'il y a des gens qui ont pris un peu quand même dans la tête! Oui, regarde, il y a des gens qui ont pris! Je vais aller voir! Oh là! Waouh! Moi aussi, je sais faire! Wouh! Surtout, reste naturel! Ouais, bien sûr! Bah vous êtes tombé à l'eau. Bonjour Vanessa. Ah oui, effectivement. Ah oui, ça marche bien, ouais. Je me suis tapé fort un petit peu. On va refaire ou pas? J'espère. Oui, un petit deuxième, ça serait cool. Je vais dire à Miguel. Vous parlez de tuer mon ex-mari. Moi j'ai tout vu, c'est parce qu'il était con. Alors que j'essaie de ravivocher les choses avec lui, vous êtes horrible. Vanessa, je vais peut-être vous vomir dessus, faites attention. Ah oui. Il a bu la mer, il a dit que c'est très salé. Oui. Et oui, ça s'appelle l'eau des gamers. Ah, et alors, Miguel, il est très chaud. Si on veut refaire un saut, mais il faut voir avec le masque rouge. C'est qui le masque rouge? Il est là-bas. Oui, avec un lance-roquette. Bonjour, monsieur le masque rouge. Oh là-bas, la peau. Excusez-moi, je vais vous parler, monsieur. Miguel, il a dit je suis chaud à refaire le saut en parachute, mais qu'est-ce qu'on regarde avec toi? Côté, la saute. Ah, faut que j'aille chercher un hélicoptère. Ah bah oui, trop bien. On a tous envie. Ah ouais, moi j'adore le yoga en plus. Tu vas bien, jeune homme? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Donne de l'eau, il a dit que je le décevais. Bon, allez, viens. Déjà, te mets pas dans l'eau. On va peut-être vous pousser un petit peu, non? Je vais vous ramener. Vous êtes très souple du dos, en tout cas. Merci. Jean, c'est on tirer après. Oui, je suis une guimauve. On a besoin de médecin. Hop.
J'ai pas besoin de médecin, je vais très bien. Je suis juste déprimé. Tu veux que je te raconte une blague ou quelque chose? Oui, je veux bien. Tu connais la blague après, du kiwi? Sa carrière, non. C'est un kiwi. Commissaire. Et il arrive vers un autre kiwi et qu'est-ce qu'il lui dit? Commissaire, il est passé, je sais plus. Mais si, après, il dit, commissaire. Je sais pas. Il lui a dit, si tu me dis oui, je te le dis non. Parce que c'est un kiwi. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, j'aime bien, ça va mieux. Tu l'aimes bien, ça va mieux. Ah non, contre, j'aime bien. Mais non, mais je suis un peu déçu. Dontello, il a dit que je le décevais. Je il m'a dit, je vous lis. Je ne sais pas quoi vous dire. Antoine, vous me décevez beaucoup. Avec mais il a écrit. Oui, il m'a même pas parlé. Et donc, tu étais triste et après, tu voulais aller dans l'eau. On va écouter de la musique. C'est trop, c'est trop. Il y a encore un coup de chaleur. Tu veux une deuxième blague? Ou une deuxième blague, s'il te plaît. Je vais faire une deuxième blague. Qu'est-ce qu'il dit un chat qui a vu un chien? Miaou. Si c'est ça. C'est bien. Tu la connais ah, oui. Déjà. Ah, c'est ça, c'est... Comment tu le connais déjà la blague? Ah c'est. Enfin, je sais pas. Elle paraissait assez simple. Mais je suis assez intelligent moi. C'est une bonne blague ça, non? Oui. Bon ça va mieux en vrai. Merci beaucoup Nigo. Il y avait quelqu'un qui s'est levé. On entend dire pèse Antoine. Oh non. C'est vous. T'as pas de pommade? Non j'ai pas de pommade. Bon tiens. Oh merci beaucoup. Je vais te donner tout ce que j'ai. Ah bah je veux bien, merci beaucoup. Ma pommade. Oui j'ai vu, merci pour la tenue, je vais pouvoir aller faire un petit tour. Oui bah oui, je veux juste avoir la chute. Il est plus petit. On va y aller 10 par 10, un fait de 9. D'accord, bah alors reprenez les 10 qu'ils ont envie. Vanessa viens vite, on va sauter encore au parachute, viens. On va sauter en parachute? Ouais. Super. Daniel viens, viens, on va sauter au parachute, viens, viens, viens. Ah faut que je... Oh non, attendez, je venais. Viens Nico, Daniel, vas-y, vas-y. On y va Daniel, rappelle-toi, je t'ai tout appris. Arrête. Attends, attends, puis là je saute au parachute, t'es prêt? Vas-y, vas-y. Ok. Ah si, je crois que c'est bon. Wouh. Let's go. Ça commence à faire beaucoup. Je suis désolée pour le coup. Il y avait un... Oui, vous me dites ça à chaque fois. Mais c'est la faute de Daniel, il a conduit. Ça m'a donné envie d'aller dedans. En tout cas, merci beaucoup, je suis désolée, je vais faire attention à partir de maintenant. On va aller faire un petit saut en parachute et je ferai attention. Ok, bah moi c'est bon, je peux y aller. Il va falloir monter au maximum de 4, je vous le dirai. D'accord. Okay. C'est parti. C'est parti. Est-ce qu'on peut viser le truc rouge là-bas? Ah oui, on se donne un objectif. Quel truc rouge? Vas-y, go. Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé. Bah enfin, pourquoi vous avez glissé? C'est dans l'ancien montant avec votre téléphone ouais, d'ailleurs. Bah ouais, bah je voulais pas glisser, je suis hyper déçu, bon, je m'en réjouis d'être glissé avec toi, vous. Non. Oui, on se retrouve. Bisous. Non. Tout le monde a mout dans le mout mout. Y'a même les moutes qui sont mout mout. Oh non. Dis-moi, ça tu va. Veux faire un mout mout? Super. Où il est où, Daniel? Ouais, ils sont là. Waouh. Ouais, ils sont trop forts. Daniel. Échoué. J'ai trouvé une baleine échouée. Oh bah non. Ouais. Eh ben moi, je suis pas mort. Par contre, il me faudrait un petit médecin quand même. Oui, t'es... bah disons que t'as des petites taches partout, quoi. Ouais. Donc, t'as... Alors, monsieur Croûte, comment? Moi, c'est Antoine, monsieur. Antoine. Du coup, une petite quinzaine de minutes sans courir? Ouais, vous voulez juste que je déprime comme ça, que remercie, monsieur. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie dans un monde lent comme ça. J'en peux plus de pas courir. Je suis au bout. Je vais leur dire, je suis au bout. Médecin, docteur, je suis au bout, j'en peux plus. Le monde est si lent, monsieur, docteur. J'ai trop de calme si vous voulez, comme ça. Ah non, mais. Ouais, pas... on peut le zipper. Ah, merci beaucoup. Allez, parti. Merci. Ah, bah en fait, faut juste se plaindre. Et on est soigné. Allez. Attends, tu vas voir. Raconte quoi, on va voir. Regarde le boule, hein. Regarde bien le boule. Oh, pardon. Regardez, hé, regardez bien le boule. Regarde, regarde. Non, c'est incroyable. Oh, vous avez aimé, monsieur, vous êtes super. C'est pas mal, non? Incroyable. On fait un concours? Non. Vous faites quoi? Vous faites quoi? On va en boîte, on va en club. Ah ouais. Allez, cool. Nickel. Bonjour. Où ils sont les miens, là, ma famille, là? Non. Ah. Je vous dépose là, comme ça, vous prenez l'avion et c'est reparti. Allez. Non, merde. Merde. Bon, ah, c'est bon, vous l'avez? Ouais, c'est bon, là. Allez, on s'accroche. Allez, monsieur Croûte. Je peux vous expliquer, vraiment. Oui, oui, vous inquiétez pas. Je suis vraiment désolé. Ça va bien se passer. Non, mais vous inquiétez pas déjà pour ça. Faut pas s'excuser. Hop. Parfait. Vous êtes très efficace, hein. C'est Antoine, Daniel. C'est Antoine. Il va falloir monter dans le camion. Allez, ceinture. Oui, c'est bon. Vas-y. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, moi je suis partie, je pensais que j'étais avec vous dans l'hélicoptère et j'ai vu que vous étiez pas là et j'ai eu peur, du coup j'ai voulu m'enfuir mais ça avait un parachute mais on était un peu bas. Non, ils sont... regarde, ils font la chenille. Ah oui. Oh.
Venir à côté de vous, ça vous dérange pas ? Mais c'est bon. Ok, super. Alors je suis le copilote et je dis que pour l'instant on démarre. Attention et on décolle, allez ! C'est parti ! Let's go ! Ça va passer ? Oula ! C'est un Boeing quand même. C'est vraiment un Boeing. Ça passe ! Ça passe ! On va aller dans l'eau là ! Ça passe ! C'est bon, c'est le meilleur pilote ! Ok, c'est bon. Vous êtes le meilleur pilote, monsieur Masque. Et nous arrivons alors en gare de Los Santos, c'est pas la gare, c'est l'aéroport. Non, nous arrivons alors à l'aéroport de Los Santos en compagnie de notre pilote Monsieur Masque et du copilote Antoine Croûte. On peut les remercier et on peut remercier aussi le staff. Elles sont où les piles ? Les piles. Oh, il respire parfois ou pas ? Normalement là je crois. Mais oui, en fait je respire bien. On m'a dit que j'avais des poumons. Oh allez, c'est parti pour l'atterrissage. C'est fou, hein ? Ouais. Je l'aime bien. Et voilà, des taxis qui nous attendent. Merci beaucoup, monsieur Masque. Merci beaucoup. Et merci yop beaucoup, là. Monsieur Pastis. J'ai acheté mon ULM, bisous. Daniel, on n'a pas le permis ULM. On peut pas acheter. Moi aussi, je suis déçu, Daniel. Oh non. On voulait y aller en ULM, mais on n'a pas le permis. On n'a pas le permis. Non, c'est pas qu'on n'a pas le permis, c'est que j'ai oublié le mien sur l'île. Ah ouais, je vois. Voilà, du coup, faites-nous vivre les émissions de ULM en voiture. On vous fait confiance, c'est parti. Mets ta ceinture. Je fais ma ceinture, allez. Presque. Oh, pas mal. Là, ça, j'ai bien. Oui. Ta ceinture. Oui, je suis attaché, je suis attaché. Ouais, ouais. Il est plein d'énergie, mais je l'aime bien. Bah, merci, c'est gentil. Et on avait volé la voiture de Rose. Pardon. Ici. Ah, oui, c'est vrai. Remonte. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bienvenue au Black Cat. Oh, merci, la vue est belle. Et y'a. Boy, il a tué. Quoi ? Pardon ? Ils vont bien, les médecins les ont récupérés. Ça va, toi ? Oh ! Oh, vous avez fait peur ! Oh ! Ils vont bien, ça va. Mettre la justice. Allô ? Oui, Antoine. Oui, ça va ? Il m'est arrivé une aventure pas possible. Oui, alors j'ai pas compris. Il paraît que Boyd a tué Kukru, quoi ? Bah, il a essayé de m'assassiner. Quoi ? Mais t'es où, Vanessa ? Bah, je suis sur une petite île déserte au milieu nulle part. Il a essayé de... Mais tu vas bien ? Oui, je vais bien. J'arrive, Antoine. Ok, à tout à l'heure, bisous. Allô, Antoine ? Daniel ? Oui ? Boyd, il a essayé de tuer Vanessa. Et Kukru ? Quand ? Juste avant, elle arrive bientôt, elle a dit qu'elle allait bien, mais elle était pas bien du tout. Moi je vais à l'hôpital. Quoi ? Tu t'es arrivé quoi, Daniel ? Ils m'ont volé dessus. Attends, je viens avec toi, j'arrive. Ah, Fabien, putain. Ok, viens, on y va. T'es juste là en fait, pourquoi tu m'appelles ? Je sais pas. Viens, on y va, je t'amène à l'hôpital, viens. Mais non, il y a une ambulance qui arrive. Ok. Bonjour, c'est pour Daniel, il est là. Ils ont changé les ambulances. Antoine. Oh bah bonjour, comment ça va ? Oh mais bonjour. Bonsoir. Oh, ça fait plaisir de te voir, bah ça tombe bien finalement. Bonsoir. Oh, bah, comment vous allez les cousins ? Bon écoute, ça va plutôt bien. Du coup c'est pour vous l'ambulance ? C'est pour moi, oui, on m'a roulé dessus, on m'a disloqué le genou. Ah, et ben on est parti pour un petit séjour au LSES. Hein. Super. Rappel, vous ne sautez pas de l'ambulance avant qu'on soit... Non, attaché, c'est bon. On a mis nos ceintures et tout là. Oui, nous on n'est pas du style à faire deux fois les mêmes erreurs. Non. Alors, tout va bien. Et on est parti. Antoine. On connaît le chemin. Oui. Connaît le chemin, c'est parti. Voilà, Antoine. Oui. On connaissait pas le chemin alors. C'est là, c'est ça ? Oui, je me suis trompée. Dans l'ascenseur. Ah oui. Moi, je me suis pas trompée, hein. Oh, Daniel. Mais Daniel non, est... Quoi ? Ah non, revenez, Antoine. Ça fait mal. Bah oui, allez, c'est bon. Il m'a vu aussi. Allez, oui, venez. Je t'ai vu très vite. Nickel. Venez, on va faire une petite radio, Daniel. Alors, Antoine. Oui. Venez, on va en salle d'attente. Allez, je vous emboîte le pas, monsieur. Ah, voilà. Donc alors, oui, on a checké tout ça, oui, c'est tout bon. J'ai un bon dossier médical. Et qu'est-ce qu'il y a de noté sur mon dossier, monsieur ? J'aimerais... Je suis curieux. Qu'est-ce que j'ai de... Ah, vous avez peur des chauves ? Ah bah oui, j'ai un peu peur des chauves, peur oui. Non, et des chauves aussi, on va pas se mentir, ah, monsieur. Bah, c'est une mauvaise expérience qui est restée un petit peu. Et du coup, maintenant, j'avoue que quand les gens sont un peu de capillarité, comme le monsieur qui vient de passer là-bas, c'est vrai que ça me rappelle des petits trucs qui fait que j'ai un petit peu peur des chauves. Mais je pense pas que c'était mon dossier médical quand même, parce que ça fait beaucoup. Ouais. Parce que bon, c'est pas très grave. C'est juste, c'est vrai que moi j'ai très très peur d'être chauve déjà. On va pas se mentir, parce qu'on m'a déjà dit que si je me tapais très fort la tête, je pouvais devenir chauve. Bah, enfin, au début, ça va être vraiment avoir mal à la tête, des traumas crâniens, etc. Je pense que devenir chauve, c'est le cadet des soucis. Bah non, moi je préfère avoir des traumas du crâne plutôt que d'être chauve. D'accord, ok. Bah alors attendez, je vais prendre le patient, je reviens. Oui, bah bien sûr. Comment ça va, Daniel ?
Ça va, mais je peux plus courir. Oh non, et on est sûr pour la telle, parce qu'en vrai, Daniel, il a été très sage ce soir. Oui, je sais, c'est dans mes obligations de... Non, mais il est à bout, là, regardez-le, de pas pouvoir courir, il est à bout, ça se voit, regardez-là, le pauvre. Malheureusement, c'est, vous savez, c'est la médecine, moi, j'y mais peux, pour j'y combien... peux malheureusement non, mais pas de problème, mais pour combien de temps? Mais là, on a pour une heure. Une heure? Oui. Ah... Ah, bah oui, on a perdu Antoine. Si vous voulez négocier, c'est avec le grand monsieur là-bas, avec la casquette. Ah, oh, bah j'y vais. Bonjour monsieur, avec la casquette. Excusez-moi, je vous dérange? Non, du tout. Bah Daniel, là, qui est une personne très très vive, qui aime beaucoup courir et s'amuser et danser. Et alors je comprends, c'est normal qu'il faille immobiliser un petit peu son genou, un petit coup, je comprends. Mais une heure, ça me paraît être quand même un petit peu au-dessus de tout ce qu'il faudrait de ses moyens. Il est à bout. Passe un coup de fil. D'accord, merci. Merci. Oui, on va réduire à 30 minutes, mais forcément okay. Pas trop. Oh, c'est très gentil, vous êtes vraiment la crème de la crème du... Merci beaucoup. LMS. Et on est sûr qu'on peut pas nous ramener un petit ambulant. Non, bah on va se débrouiller. Écoutez. Vous allez où? On va au Black Cat. Bah, je vous dépose avec moi. Oh, vous êtes un amour. Et bon, en tout cas... Vous allez monter en hélico. Merci. Oh, c'est super. Merci beaucoup. Waouh. C'est la meilleure soirée. Pendant ce temps... Mais il y a 7 ans, tu m'as avoué tes sentiments? Si, c'est pas cela, mais je pense que je préfère les hommes. Voilà, c'est... Ça va pas? Si, ça va très bien. J'en étais sûre. Lorenza? Quoi? J'ai la chiasse. Vous pouvez pas me dire ça. Vous pouvez pas venir me dire ça maintenant, Donatien, c'est pas possible. Hélas, la vérité, Lorenza. C'est nous. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Bonne soirée, attention à vous. Bonne journée, je ne saute pas. Mais que se passe-t-il? Dites-moi. Parce que Tim vient de me dire qu'il m'aimait pas. Mais Tim, il aime les garçons, Lorenza, enfin. Mais oui, je vais sauter. Non, mais non, Lorenza, non, plus Lorenza. C'est pas assez haut, de toute façon. Oula, qu'est-ce qui se passe? Venez avec moi, on va en discuter autour d'une bonne bouteille de vin. Combien vous avez sur vous, Lorenza? Et vraiment, je vous prends pas grand-chose. J'ai 1800. Écoutez, ouais, allez, 400 Lorenza. Vous pouvez en prendre deux du coup. Oui, vous pouvez même prendre deux bouteilles, regardez. Non. Ah, plein de dans la merci, théorie, Lorenza. Comme on dit, regardez, vous pouvez. Regardez ce brandy cardiaque, vous allez voir. Ça va vous faire du bien, Lorenza, buvez-le d'un coup. Ouais, ouais, vous pensez. Ouais, allez, c'est que ça va pas. Ah non, c'est une bonne solution. Vas-y, je bois un mojito avec toi, hop. Ok. Allez Lorenza, allez, voilà. Moi, j'ai rien avec Vous rappellerez de plus rien demain, vous savez. Non, mais là, je me rappelle plus de ma vie. Et peut-être tu veux une tenue de plongée, peut-être. Allez, pour... restez pas au bord. Oui, est-ce qu'on peut s'éloigner restez du bord? Restez pas au bord. Allez, de toute façon, vous non, venez. Allez, venez. Allez, j'ai pas une cliente en moins. Allez, venez. Non, mais je vais bien. Non, mais je vais bien. Non, mais vous avez raison, vous savez ce qu'elle a dit, Zao. Elle a dit quoi, Zao? Elle a dit, je veux pas de bolos dans ma life. C'est vrai? Oui, bah oui, c'est vrai. Tu restes avec nous et pas de bolos dans ta life. Ah mais ouais, carrément, faut que je l'écoute plus souvent. Bah oui, bah oui. Ouais, bonsoir tout le monde. Ah, tu vois, comme quoi, même Zao. Il est où? Il est où? Il est où? Bonsoir. Je l'ai entendu, il est où? Dites-moi, au Vietnam. Mais ça, je le frappe. Ou pas, oui, c'est les noisettes, hein. Très habituel. Si, donc, ça, c'est pour Vanessa, monsieur, c'est pour Vanessa. J'ai fait en plein dans les noisettes, Vanessa. J'ai fait en plein dans les noisettes. Non, non, on est fort en castagne. Ah oui, ah d'accord, ok. Et on est bon. Oh là là. Avec plaisir. Si, venez par là. Si, là, là. Oh non. Voilà. Nickel. Excusez-moi, j'ai deux trucs. On est toujours vous immiscer dans les relations qui sont pas les vôtres, vous. C'est incroyable. C'est maladif. Vous avez un besoin d'attention irrépressible ou comment ça se passe? C'est vous qui êtes venu me. Mais pas du tout. Non, c'est vous qui êtes venu au geste. Vous vous êtes interposé. Bon, laissez Antoine là. Voilà, je reste. Ah, c'est bon. Ah bah ça me fait plaisir que tu finisses par accepter mon câlin. Ça enfin c'est la première fois, la dernière fois on a essayé une fois on s'était loupé et là ça me fait vraiment du bien, c'est le premier câlin que j'ai de ma vie. Oh bah viens on en refait un alors. Oh bah d'accord. Ah vous revenez encore pour le câlin? Non poussez-vous. Je regarde juste. Ouais, ça suffit Boyd hein, au bout d'un moment. Merci Vanessa, ça fait du bien. Pardon, quand est-ce qu'on fait la paix là hein Boyd? Bon on fait la paix déjà. Sinon voilà. Je tape. Voilà un vrai... Voilà, c'est bien, ça va. Oui. Vous voulez quoi? Non mais c'est difficile de voir Tim et Fab en train de vivre le parfait amour à côté quoi, hein, donc comprenez que j'y reste en haut des escaliers quand même. Ils sont en train de baiser? Ça ken, comme on dit. Ah non mais j'ai pas l'impression non plus quand même. Je vais lui demander. Ah oui, allez leur demander. Ah, il y a OG. Est-ce que ça ken quoi? Il a pas répondu au téléphone. Combien? Bah Fab, il est là. Il est où? Ah ouais. Il est là, il est devant là-bas. Qu'est-ce que vous faites encore? Rien. Venez voir. Il va se passer un truc. Oui, il va se passer quoi? C'est Tim là-bas. Oui. Et ben quoi? Non. Non. Non.
Non, non. J'espère qu'il va lui mettre une patate. Ah oui, j'ai cru qu'il allait l'assassiner. Moi aussi, il le manger. Il a dit qu'il allait peut-être le manger. Ah oui, il mange les gens. Alors, je sais pas s'il va vraiment le faire, mais on sait qu'il discute. Oh là là, il a regardé vers nous. C'est quoi les résumés? Peut-être qu'il va... Du coup, on attend de voir s'il mange Tim. Il m'a dit, si je mange Tim, je pourrais être à vie avec Lorenza. Ah bah voilà, qu'il mange Tim alors. On a si un écrit. Moi, je peux y aller en mode discret, vous êtes prêts? Allez, 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 en mode discret, voilà les résumés. Nous ne verrons pas arriver. C'est sûr. Mais non, on n'y va pas tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'il... Oh, il a fait comme moi. Il est triste, là. Miguel, je sais faire ça aussi. Force avec les dents, hein. Miguel. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites, là? Jamais ils verront qu'on est camouflé pour écouter leur conversation. Moi, quand ce shérifique et Pablo, ils mangent Tim pour pouvoir être avec Lorenza toute la vie. Et moi, j'ai le la couleur du plancher, moi. Je vous entends, Qu'en plus, Tim, il va mourir dans quelques secondes. Oui, on attend de voir, ça justement. Va être je vais pas mourir. Non. Ah bah là, il va bien mourir, là. Tim. Ah, il est où? Ah bah il est... Ah là il est au fond là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah là il flotte. Ah oui là... Ah, oui. Lorenza, je pense que tu peux... Là c'est bon hein, il n'y a plus de problème de Tim hein. Ah bah là il n'y a plus de Tim. Ah c'est bon, c'est réglé hein. Ah mais il est vraiment dans l'eau, merde Tim. Mais oui. Non mais Igual, c'est impressionnant à quel point il a un temps de réaction un peu lent quand même. Voilà. Oui, mais après il est efficace. Mais par contre il est très rapide une fois qu'il rentre dans l'eau. Ah par contre il est efficace. Bon, qui fait la drama queen maintenant? À qui le tour? Ah moi je peux. Regardez, oh non, zut. Je rigole, je vais bien. Je sais nager. Ça va Miguel? Oui, impeccable. Il est lourd, il mange bien la cantine. Ouais bah ça m'étonne pas. Et voilà, tada. Ah mais impressionnant. Bah oui, moi je sais nager, moi y'a pas de problème. Pape, c'en est trop hein. En plus de ça, vous m'avez frappé, alors que c'est moi la victime dans l'histoire. Dites, je n'ai pas fait exprès du tout, je suis en train de perdre complètement la boule là. Pourquoi? C'est pas cher, mais... Je m'allume un pétard. Ah bah moi... Oula. Ah. Patron Fab. Vous allez bien? Patron... Oh mais il est instantané ce pétard. Je vais arriver à Fab. Mais Fab, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il s'est allumé un pétard, il est tombé dans les pommes. Il s'est allumé un pétard, il est tombé dans les pommes. Mais oui. Mais Fab, enfin. Oh, mais ça, ça va encore faire la une des journaux, ça va niquer l'image de la boîte. Fab, putain. Daniel, tu veux voir un truc incroyable? Oui. Alors que l'alcool... Alors que l'alcool... Ah, quoi t'as ça? Ah, je vois... Ah, le plongeur... Non, mais sérieux que le plongeur, il est... Non. C'est des pires en pires. Mais c'est qui ce plongeur? Il est débile. Mais je sais pas qui c'est. Il faut qu'on se mette là et qu'on sorte. Docteur, vous allez amener un autre. C'est un de chez vous, c'est un idiot. C'est le plongeur. Ah bah nickel, vous êtes trop fort. Allez-y, je suis là. L'autre idiot celui-là. Allez. Il a sauté, il a bouffé les rambardes. Oui, bah c'est un de chez vous, ça, non? Bah je sais pas. Oui, bonjour, bien sûr. Allô? Ah, c'est pas de chez nous, je crois. Ah non? Antoine? Chez Croûte? Antoine? Vous pouvez voir. Comment t'as payé qu'une copie? Bonjour, Antoine! C'est pas de chez nous, du coup, oui. Non, c'est pas chez vous, non, c'est Croûte, ça. Non, mais... C'est Croûte. Non, je vais aller boire beaucoup d'alcool. C'est un problème. Mais quoi? Non, il faut réutiliser la tenue de plongée. Oui, oui. Ah, d'accord. Remets la tenue de plongée. Oui. Bon, je suis désolée de ce qui s'est passé. Sincèrement, je m'attendais pas du tout à ça, je peux vous dire. Et je sais... Allez, on va aller à l'hôpital faire un petit check-up. Ça arrive. Allez. Allez, c'est parti, je vais te suivre. Oui, j'ai un peu mal à la hanche, on va aller tranquille. Est-ce que vous voulez que j'aille chercher un brancard pour vous aider ou pas? Peut-être, pour le coup, peut-être, oui. Ouais. Hop là. Alors. Et on est parti. Merci beaucoup, Bamba, je reviens. Donne de l'eau. Oui. Bonjour. Je vais vite à l'hôpital, je reviens. Mais qu'est-ce que vous arrive, Antoine? Je dois aller à l'hôpital aussi, je sais plus où. Allez, on est parti du coup. À tout à l'heure. Bon. Je monte derrière là? Je vous laisse monter, ouais. Oh là là. Je peux te dire, j'ai failli mourir plusieurs fois, ça passe. Oui, allez! Bah, du coup. Ah, merde. Non, mais moi j'aime bien en vrai. Ça aère un petit coup. Bonsoir. Oh, merde. Oh non. Je vais se prendre en charge, bah, monsieur Croûte. Allez, je vais faire la petite radio de contrôle. Oui, bah oui, vous verrez voir que tout va bien. Je suis pas resté longtemps dans l'eau, hein. Bah, écoutez, je vais essayer de voir. Combien de minutes, ça fait pas longtemps, je reviens vers vous. Vous pouvez regarder. Ouais, ouais non, mais y'a pas de problème. Allez, je connais le mot cervical, ça. Non. Ah, mais merde, c'est pas le bon. Ah, bonjour, Miguel. Je vais te sauver. Ah, bah oui, oui, vite. Oui. Allez, grimpe. Comment? Grimpe comme tu peux. Allez. On y va. Peut-être, attends, parce que c'est pas un poste de police, peut-être que j'ai pu laisser les médecins te soigner, non? Ah, bah sinon, on peut faire ça. Attends, je te repousse. Oh, sinon, ce qu'on fait, j'ai une super idée. Oui. Je suis médecin. Allez, vas-y. Allez. Je suis pas certain là, mais... J'aime beaucoup Jarod, mais là, je pense qu'il est tendu. Allez. Il faut lui dire, ça va t'aller.
Ah, Jarod. Venez, venez. Bonjour, Jarod. Antoine. Ça va t'aller. C'est pas Antoine, c'est un plongeur. Ah bah non, oui. Moi je travaille ici, monsieur. Revenez, je fais vite. Je fais merci vite. D'avoir essayé. Ça va. Allez, venez. C'est vrai que j'aurais été bien bête en vrai de pas être soigné quand même, parce que je me viens de me rendre compte, je suis pas encore très soigné. Je me sens pas encore très très bien. Ouais. Donc pendant une heure. Oh non, Jarod, vous allez pas me faire ça, Jarod. Si, et si. Jarod, vous allez pas me faire ça, Jarod. Vous avez une fissure au niveau de la hanche. Non, mais Jarod, on a dépassé ce stade, Jarod. Non, je suis vraiment désolé. D'accord. Ça va, Antoine ? Ah oui, ça a l'air d'aller là. Oui. Ça va aller tranquillement. Vous inquiétez bon, pas. Bon, Antoine, moi je te dis au revoir là, moi je m'en vais, je t'attends avec toi. D'accord, bah, désolé pour le coup dans les testicules. C'était pas contre toi, c'est parce que je protégeais Vanessa. Oui, pas de problème, mais je voulais jamais la tuer, vous inquiétez pas. Bon, bah d'accord, ça fait plaisir de vous avoir vu. Antoine et Daniel. Ouais, moi aussi, oui. C'était un grand plaisir. Et moi, c'est de la merde. Venez avec moi, Daniel. Oula oh là, oula. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'espère que j'avais pas dans l'avion. Fab, j'ai la chlamydia. Oh mais c'est un avion, ça. Tout va bien? Antoine, vous voulez monter sur la colline? Oh bah oui, allons-y. Des gros bisous. Je travaille les cousins, je suis content de vous avoir revu. Oui, moi aussi, ça m'a vraiment fait plaisir. Au revoir les cousins. Des bisous. Petit câlin. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit câlin. En tout cas, je t'aime fort, Vanessa. Et de toute façon, on se voit bientôt. Des bisous. Moi aussi, je t'aime fort, Antoine. Des bisous. On va y aller, nous, Miguel. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et docteur Maison aussi, et tout le monde. Eh oui, bonne soirée, docteur. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Ça faisait vraiment trop longtemps. Maintenant, on s'appelle. On s'appellera, promis. D'accord, je vous fais des gros bisous. Bisous, docteur Croot. Bonne soirée. Vous aime fort, bisous. Antoine! Oui, je viens! Et Daniel, il est où? Bah, je sais pas! Il voulait juste dire au revoir du coup. Ah, il est là! Ah, voilà! Oh là, Daniel, attention! C'est oh, il y a des cyclistes! Je dégage! Et attendez, il voulait le faire, Antoine aussi, je ah crois. Bah, allez-y! Mais qui dit? Je vais voler les cyclistes! Ah, bah non, pas vrai! Vas-y! Oh, voilà! Il est solide! Bon, allez, ça suffit là! Ça suffit, on part! Oui! Ça suffit! Bon, c'est bon, ça suffit! Ça suffit! Bonsoir, monsieur! Ah, vous pouvez juste arrêter de taper le pauvre cycliste. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est monsieur Dontello qui nous a dit, nous on a juste suivi les ordres. Excusez-nous pour ce que vous avez vu, mais il nous embêtait. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est rien passé. Ah bah j'essaie de comprendre aussi, figurez-vous. Et vous êtes monsieur Montaz... Oh, j'ai vraiment besoin de... Comment osez demander, bon bref. Monsieur Montazac, monsieur le policier. Évidemment que c'est lui. Monsieur... Alors, on m'a donné un autre nom que celui que m'avait donné, donc je sais pas si c'est bien vous. Ah, bizarre. On m'a donné Dalmatien de Montroufiac. Ah oui, c'est lui, bah c'est lui. Bah bien sûr, ne t'inquiétez pas. Oui, c'est moi. C'est Dontello. Un autre cycliste. Je ne sais même pas si ça vaut le coup que vous... Non, alors... Non, les croûtes, non. Non, pas de problème. Mais en même temps, regardez à quel point ils sont intrusifs. Ils sont intrusifs, ces cyclistes. Regardez. C'est vrai qu'ils vous mettent un peu la pression. Mais oui, ils nous mettent toujours la pression, les cyclistes. C'est pour ça qu'on en a marre. Regardez ça, là. Ils sont intrusifs. Oui. Je crois qu'on est tiré d'affaire. Oui, on voit ça, on voit ça. Qui dit, nous on y va. Ok. On fait des bisous, c'est trop cool de te revoir. Des bisous, on se revoit bientôt. Bah oui, tout bientôt. Des bisous, qui dit. C'était super. Oui, merci. C'était trop bien, Kim. Merci à vous d'être venu, les croûtes. Bah oui. Merci à toi, c'était trop bien. Merci de l'invitation. Vous prenez soin de vous. Non, oui, on va prendre soin de nous. Et on se revoit bientôt. Oui, on fait des gros bisous. Ouais, bientôt. Des gros bisous à vous, les croûtes. Bisous. Nous, on va aller se poser un petit peu là-haut. Merci beaucoup, des gros bisous, c'était un plaisir de vous revoir. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Ouais, on se tient au courant. Et puis, nous, tu nous dis si t'as besoin de nous pour faire de la musique, pour danser dans des clips, pour tout ce que tu veux. Ah ouais, danser dans. Et bah, vous pourriez peut-être danser dans mon clip. Bah ouais, pourquoi pas, tu nous dis. Ça pourrait être de Donna Donna. Ah bah oui, bah à fond. Ah bah je vous aime trop, merci beaucoup. Bah merci à toi, des bisous Lorenza. Des bisous. Bah je vous refais des bisous Miguel et Kim, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup Antoine. Au revoir. Des bisous. C'est toujours un plaisir, vous venez comme vous voulez. Bon, au revoir tout le monde hein. Des bisous. Au revoir tout le monde. Des bisous tout le monde. Allez hop. Bon, moi Los Santos, hein, j'en ai un peu eu ras le cul hein, en vrai. Ouais bah on est bien aussi de voir autre chose hein. Bah c'est... Voyager. On a la chance de pouvoir voyager comme on veut, grâce à vous et grâce à votre fortune. Tout à fait. Oula, ça grimpe bien là. Oui, ça grimpe bien. Mais attention, la récompense est fantastique. C'est à la vrai, fin, c'est hein. Vrai. Une merveille. Oui. Bon, on va aller se poser un tout petit coup, puis ensuite on se retrouve à l'aéroport. Mais écoutez, je vous dis au revoir. Oui, bah des je bisous. Vous dis au revoir les croûtes. Et à très vite. Hein. À très vite. Oui. Et merci pour tout, Dantelo. Merci à vous. Beaucoup. Des bisous. Ciao. Bisous. Tiens, Daniel. Bon, bah on a quand même fait une belle avancée dans tout ça. Hein, quand même, ça fait plaisir de revenir, mais on se rend compte de tout le chemin qu'on a parcouru. Bah, au final, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Hein. Il y a pas de regret, je pense. Non. Et en plus, pour moi, l'aventure qu'on a vécue ici, elle est finie. Parce qu'elle était top et maintenant on fait des aventures ailleurs. C'est vrai. Ça m'a fait plaisir de les revoir quand même. Oui, moi aussi. Et je t'aime fort, hein, Daniel, oublie pas. Oui, moi aussi.